Et tout le monde, c'est Léo Gaming et nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo. Donc dans cette toute nouvelle vidéo, je vais vous présenter ma petite collection de DVD Blu-ray. Donc tout ça là et là, les deux petites étagères. Donc c'est parti. Donc en premier, nous avons The Walking Dead, l'intégrale de la saison 1 en Blu-ray, acheté au Happy Cash. Ensuite, nous avons The Walking Dead, l'intégrale de la saison 2, Fuir ne vous sauvera pas. Aussi acheté au Happy Cash, en même temps que la saison 1. Ensuite, nous avons Godzilla, le roi des monstres, ou King of the Monsters en anglais. Ensuite, nous avons avec Ted DiBiase, The Marine 2. J'ai le 1 avec John Cena. Ensuite, nous avons 007 Casino Royale, donc un James Bond avec Daniel Craig. Ensuite, nous avons 007 Spectre, toujours avec Daniel Craig. Nous avons King Kong Skull Island en Blu-ray 3D. Donc voilà, j'ai vous présenter tout ça, c'est bon. Ensuite, nous avons donc l'intégrale des Harry Potter. Hein. Là, c'est épisode 1 à 5. Et là, c'est l'épisode 6 à 7, partie 1 et 2. Voilà. Ensuite, nous avons King Kong versus Godzilla. Acheté 9. Ah, donc là, on arrive à ma saga de films d'action et aventure préférée. C'est Fast and Furious. Donc là, j'ai le coffret des... De tous les films. Attendez, si je peux au moins vous sortir le coffret pour que vous puissiez le voir. Voilà, l'intégrale des 9 films Fast and Furious. Du 1 au 9 en Blu-ray. Ensuite, pour pas avoir à racheter un autre coffret, j'ai acheté le Fast and Furious 10. Qui n'était pas dedans. Et aussi, vu que c'est un spin-off, le Fast and Furious Hobbs & Shaw avec Dwayne Johnson et Jason Statham, j'ai dû l'acheter à côté aussi. Mais ouais, ça m'a coûté à peu près déjà le coffret. Le coffret dans lui-même a déjà coûté 60 euros. Le film-là, 24,99 et ce film-là, 14,99. Donc ça va. Attendez, je remets juste 2-3 petites plaques par terre. Et on attaque la deuxième partie de la collecte. Donc voilà. Donc pour la deuxième partie de la collecte, je vais vous présenter coffret de films en Blu-ray Spider-Man Far From Home et Spider-Man Homecoming. Voilà, en Blu-ray, je les ai trouvés sur Avis de Grenier pour 2 euros. 2 euros les deux. Ça va encore. Ils étaient quasiment neufs, de toute façon. Ensuite, nous avons The Amazing Spider-Man 2. Ensuite, avec Johnny Depp et Helena Bonham Carter, Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street, plus comédie musicale horreur. Ensuite, nous avons La Légende d'Hercule. Le voici. Encore un film qui est sous blister que j'avais acheté au Nose pour 1,99€, Harpon. Avec Gunnar Hansen, donc Gunnar Hansen, pour ceux qui savent, qui a joué les premiers Leatherface dans Massacre à la tronçonneuse 1 et 2. Donc voilà. Ensuite, en coffret, l'intégrale de la saison 1, nous avons Gotham, 20 euros, ce coffret-là. Celui-là, coffret de la saison 1, Game of Thrones, hyper bien. Ensuite, nous avons Chair de poule 1 avec Jack Black, celui qui joue Carl Denham dans King Kong. Ensuite, nous avons Chair de poule 2. Ensuite, nous avons Jack l'éventreur sur les traces du tueur. Donc, un film retraçant l'histoire du tueur en série Jack l'éventreur. J'ai plusieurs films Jack l'éventreur. Il faudra que je fasse la présentation des films. Voilà. Ah, là, nous arrivons à ma saga de films d'horreur préférée. C'est
Massacre à la tronçonneuse. Donc là, c'est le premier, indispensable, terrifiant et culte en édition Blu-ray. Le film fête ses 50 ans cette année, il est sorti en 1974, donc il a été joué par le Leatherface, le masque de cuir qui a la tronçonneuse, et a été interprété par Gunnar Hansen qui joue dans le film Harpon que je vous ai présenté avant. Ensuite, un de mes films d'exorcisme préférés, d'après une histoire vraie, l'exorcisme d'Emily Rose avec une de mes actrices chouchoutes, Jennifer Carpenter. Ensuite, nous avons Blu-ray 3D avec Dwayne Johnson, Saint Andreas. En film de guerre, nous avons 300, la naissance d'un empire. Un incontournable défi du cinéma d'horreur, c'est l'exorciste, version longue, director's cut. Voilà. Nous avons avec... Avant Conjuring, il y avait Annabelle, donc Annabelle 1. Ensuite, nous avons The Conjuring 3 sous l'emprise du diable, The Devil Made Me Do It. Et ensuite, un film que j'aime beaucoup, réalisé par WWE Studio, avec John Cena, Danny Glover et Patricia Clarkson, Legendary. Cette fois, il se bat pour sa famille. Donc ben voilà toute ma petite collection de Blu-ray. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche. Ciao, ciao mes amis.